Saint-Germain. Je n'ai fait que défendre Tourelle, Marine. Ça, c'est vrai. Ah bon, je n'ai fait que défendre Galtier. Je fais que défendre les entraîneurs. Les frères, Tourelle se trouve le jour de Noël, à 6 heures de la naissance du petit Jésus. Hmm. Il le vire. Comme, ah ouais, comme, parce que 6 heures après, ça aurait été moins dur. Mais alors là, c'est une connerie comme ça. Celle-là, je l'ai entendue. Tu te rends compte, ils font ça le 24 décembre. Vrai, le 26. Ouais, il va attendre le 25. Le 26, il aurait été content. Voilà, le 26, non, mais le 26, il aurait été content, Tourelle. Et le 3 janvier. T'imagines le mec qui rentre de vacances le 3 janvier. Une connerie pareille. Donc, toi, de consacrer le 24, le 25 à un jour de repos, pour toi, c'est le connerie. Excuse-moi, Pierrot, moi qui suis d'une éducation chrétienne catholique, je dis, pour moi, c'est important. Le geste, c'est un geste très important. Je te rappelle que c'est ma... Moi, mon point de vue, tu ne verras pas, t'attends un peu le 27 ou le 28. Pion, je ne comprends pas que tu me dises ça. Je ne comprends rien. La trêve des confiseurs, tu sais ce que ça veut dire, Pion, oui, la trêve Vincent, des confiseurs. Vincent a raison là-dessus. Quand même, Noël, que tu sois. Mais Noël, s'aime, toi, tu fais gentil, Noël. Eh bien, on est gentil, même si ce n'est pas vrai. Même si ce n'est pas vrai. Mais c'est une trêve, Pion. Alors, quand même. Mais dès lors que son sort est réglé, il faut que ça se fasse le plus vite possible. Non, mais en plus. Alors, attention, Denis, tu t'attends là-dessus. Tu peux pas me dire le contraire de ce que je viens de dire, Denis, parce qu'autrement, je te tire les oreilles. Donc, écoute-moi. Sur Noël, la trêve des confiseurs, il y a quand même un truc à respecter, c'est que c'est l'éducation. De 7 millions d'euros, il va prendre, mais vous déconnez ou quoi ? Vous comprenez pas ce que je dis ? L'éducation veut que ce soit bien avant, soit bien après, mais pas là. Oui, pas là, quand même. Renseigne-toi un peu, quand même, dans la vie. Renseigne-toi, Pierrot. S'ils avaient l'intention de le virer, ils avaient l'intention le 20 décembre ou le 24, tu vois, après, tu fais pas ça à Noël, quoi. Une semaine après, une semaine avant. Voilà, bon, ça c'est mon avis. C'est fait. Déjà, c'est fait. C'est fait, Pierrot. Mais pour moi, bon, pas la classe, c'est pas la... C'est un peu, je m'en fous, mais c'est pas la classe internationale. Voilà, c'est tout. En plus, moi, Tourelle, c'est le seul mec qui a eu des résultats. Pochettino, je le connais pas, mais j'ai dit, mais ça flamme, c'est pas quand même, tu vois, en tête de gondole, c'est pas flambant neuf du foot international quand même. C'est pas le mec qui va te changer le PSG. D'ailleurs, je sens pas de frémissement autour de Paris, dans Paris, tu vois, tu sens pas le frémissement des mecs qui te disent, putain, c'est super, Pochettino, tu vas voir celui-là, il va envoyer du bois. On fait semblant de se réjouir comme à chaque fois parce que on est supporter, qu'on a envie, on a de la ferveur pour le club que l'on aime, comme Pierrot, comme toi, Denis, vous avez de la ferveur, mais vous êtes obligé de vous forcer. Un peu de vous raconter des histoires. Vous êtes un peu obligé de vous forcer. Mais il n'y a pas de frémissement. C'est une pompe de plus. Tourelle, je trouvais qu'il fallait lui donner du temps. Laissez-moi finir. Il fallait lui donner du temps parce que ce mec avait de la qualité. Mais vous vous enlacez comme des vous savez quoi, vous avez la patience de ces Marseillais à Cancun et compagnie, de ces émissions de télé-réalité. Il faut toujours quelque chose de neuf pour vous satisfaire. De toute façon, vous, la saison, c'est pas d'être champion, c'est qui va venir. C'est ça qui vous fait frémir. Qui va venir ? C'est la saison, elle se joue là maintenant. On frémit pas.